Jusqu'à 9h. Good morning business. Et à 7h47, je suis avec Carlo Purassanta, le président de Microsoft France. Bonjour Carlo bonjour, Purassanta. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, on parle de digitalisation, de transformation, de révolution accélérée par l'épidémie de Covid-19 et évidemment par la crise économique qui est devant nous, hein, malheureusement. Euh, mais on le voit bien, on le disait avec le, mon invité du BCG tout à l'heure, euh, accélération considérable de la digitalisation et donc du travail que doivent faire les entreprises pour faire partie du nouveau monde. Bah, ça a été effectivement une grande transformation de, de cette accélération déjà pendant la crise. Parce que le nombre de Françaises et de Français qui ont travaillé à la maison a augmenté de façon considérable. On a découvert, euh, du coup, dans les entreprises, que c'est possible, que c'est très efficace, et que quelque part, même d'un point de vue de l'équilibre, euh, vie privée, vie professionnelle, ça ouvre des nouvelles équations intéressantes. On a vu Teams, hein, par exemple. On Teams, on a vu d'autres, et on a vu plein d'applications qui permettent de travailler et, de, et même de transformer justement l'entreprise. Donc, je pense qu'on prise de conscience des entrepreneurs, ouais. des dirigeants, du fait que, bah, finalement, le digital, c'est pas juste quelque chose que tu fais parce que c'est à la mode, mais c'est quelque chose qui transforme ton entreprise et tes processus, qui améliore donc l'efficacité de l'entreprise. Qui la garde plus résiliente en cas de crise. Ça, c'est important parce qu'on, déjà, on entend dire peut-être qu'il y en aura d'autres, il faut se préparer à, à des suites, etc. Et donc, voilà, c'est vraiment un volet de transformation important. Et du coup, c'est vrai qu'en trois mois, il y a eu une accélération que normalement, on aurait eu en trois ans. Donc, il faut en profiter pour penser surtout à comment réimaginer maintenant les business euh, dans les prochains mois. Ça fait peur, vous savez, aux, aux entreprises, surtout aux PME. Elles voient, elles voient bien sûr débouler ce monde de demain. Euh, on l'a vu notamment sur les marchés financiers, la valorisation de, de Microsoft, d'Apple, de, d'Amazon, de, de, de Google. On sait bien que c'est le, le monde de demain, plus que jamais. Et, et, et pour beaucoup de PME, elles savent qu'elles ne vont pas survivre si elles ne s'adaptent pas. Est-ce que, est que le chantier qui, qui est devant elles n'est pas trop dur pour, pour elles Est-ce qu'on est qu peut encore faire partie du monde d'après en se transformant alors moi, j'ai une conviction absolue. Vous savez, je suis italien, j'ai choisi de travailler en France. J'adore ces pays, justement parce qu'il y a la capacité d'entreprendre. Maintenant, le digital, ce n'est pas seulement pour les grands groupes, ce n'est pas seulement pour nous d'ailleurs. Ce n'est pas seulement pour les startups, c'est pour tous. Mais c'est ça qu'il faut Donc, évangéliser, hein. Alors, c'est ce que nous, a, nous venons de lancer un plan justement pour les PME, parce qu'on sait que c'est que c'est pas simple de comprendre comment faire. Donc, j'ai discuté avec plein d'entrepreneurs, des maîtres, des élus locaux aussi, mmh, qui disent mmh. comment est-ce que je pousse cette envie. En fait, c'est d'abord une question de culture digitale. Malraux disait la culture c'est une conquête. Eh bien, la culture digitale c'est une conquête aussi. C'est-à-dire que la formation elle existe. On la met à disposition. On va en parler tout à l'heure parce qu'on a même un plan sur les skills qui est, qui est très important. Mmh. Mais sur les PME, on a développé un cours spécifique avec Mandarin Academy pour dire quelles sont toutes les choses qu'une petite entreprise peut faire pour se digitaliser être présent, vendre en ligne, avoir une relation et conquérir de et nouveaux beaucoup clients. Beaucoup de, en de ligne. PME ont découvert la vente en ligne à l'occasion du confinement. Regardez et les restaurateurs 000. qui, du jour au lendemain, ont créé des sites les producteurs, de, les paysans. Mais vous avez comme moi observé que certains l'ont fait, certains ont encore eu un peu de peur bien de sûr, le faire. Donc, nous, sûr. ce qu'on souhaite, c'est de dire. On ne peut pas avoir seulement un million de, de petites entreprises en France qui s'est mis à faire du digital sur presque 4 millions. Il faut qu'on aille récupérer l'autre 75%. Donc, la formation, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre Et pas seulement le dirigeant d'entreprise. Nous, on a une formation qui est pour toute entreprise, si on le souhaite. Ensuite, c'est passer à l'action. Passer à l'action, ce n'est pas simple non plus, parce que du coup, sur chacun des domaines de digitalisation, comment j'y vais Donc, nous, on a fédéré. Tous les acteurs qui ont la même démarche que nous, qui est de dire voilà quelles sont les offres pour les petites entreprises, et voilà qu'est-ce qu'on fait pour avoir un, deux, trois mois gratuits pour permettre de mettre le pied à l'étrier. L'autre conséquence de cette digitalisation, c'est celle sur le marché du travail. D'abord, il y a la crise, il y aura beaucoup de chômeurs il va falloir s'en occuper il va falloir les former. Et évidemment, pour un certain nombre d'entre eux, l'issue, l'avenir, ça sera de se former au métier euh, du numérique. En effet, donc on, les statistiques disent 250 millions de chômeurs dans le monde, donc c'est beaucoup. À en cause France, de la crise. On, ça va être entre 3 et 4 millions en France et donc on considère que 10 de ces chômeurs peuvent re, trouver un travail dans le digital. Et d'ailleurs, aider aussi mais ils sont pas formés pour ça. Alors, ils sont pas formés, c'est pour ça que nous avons lancé il y a juste 3 jours une grande initiative avec LinkedIn et GitHub. On va mettre euh, en ligne de façon gratuite jusqu'au 31 mars de l'année prochaine donc de 2021 euh, plus de 2500 heures de formation sur les soft skills avec les assets de LinkedIn, mmh. et sur du plutôt de la technique avec GitHub et Microsoft. Ça sera gratuit C'est gratuit. C'est des cursus qui peuvent permettre de cibler les 10... Métiers qui sont ceux, de, on regarde les tendances à travers LinkedIn, c'est les métiers où on sait qu'il va y avoir des jobs dans les deux prochaines années. Qu'est-ce que vous dites quand on dit Microsoft, c'est un gafa, c'est un genre, il va nous manger. D'ailleurs, le gouvernement français qui devait héberger les, les informations de santé de millions de Français a finalement choisi Microsoft plutôt que, que le français OBH pour pour stocker le cloud, le cloud souverain. Est-ce que on a raison d'être inquiet ou pas? Il n'y a pas vraiment de raison d'être inquiet, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut revenir sur les faits, et je sais qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup, y a eh beaucoup oui. de débats, mais il faut, surtout sur les données de santé, d'ailleurs, il faut une précision millimétrique, je dirais, quand on parle de ce genre de choses. Microsoft est un producteur d'infrastructures. Notre business model, ce n'est pas de regarder les données, quelles qu'elles soient. Bah C'est ce que dit Huawei aussi, hein. <laughs> Sauf que nous, on est la seule entreprise, par exemple, nous avons cinq procès avec, justement, le gouvernement américain. Quand on a pensé qu'ils nous demandaient des choses qui ne sont pas en bonne et due forme, on ne le fait pas. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est Microsoft. Les autres, je ne commande pas. Donc, la, le niveau de sécurisation, par exemple, que nous avons mis en place sur le Health Data Hub, c'est mmh. trois niveaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement complexe qu'en fait, nous, on voit aucune donnée s'écrypter et tout est dans les mains du ministère, en fait. Donc, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un vienne regarder l'information d'une personne spécifique. C'est anonymisé, crypté. L'important, par contre, et on l'a vu pendant la crise, c'est que la nécessité d'avoir ces bases de données pour pouvoir faire de la prévention, de l'anticipation des pandémies, c'est extrêmement important. D'ailleurs, il y a plein d'articles qui disent que le L-Data Hub, c'est une magnifique idée, que tous les pays devraient l'avoir, mmh. et que même en théorie, en mettant ensemble les données de plusieurs pays, c'est là qu'on pourrait avoir justement les intelligences numériques pour comprendre anticiper et éviter des crises comme celles que nous venons de vivre. Merci le monde Digital et Numérique de Demain. C'était avec vous Carlo Purasanta, président de Microsoft France.